C'est parti les filles. Pour commencer, la première tenue, elle est assez banale. Alors c'est un haut que ma mère m'a fait, donc c'est un petit débardeur tout simple. Donc à bretelles, voilà. Le bas, c'est une jupe de chez Caporal, donc un peu camouflage, je la trouve très sympa. Pour le bas, j'ai des tropéziennes, donc c'est tropéziennes banales, je pense, voilà, dans les tons marrons, que je vais d'ailleurs utiliser dans la deuxième tenue. C'est une robe de chez Camailleux, que je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous l'avais montré dans ma vidéo seule, que je vous mets en barre d'infos avec une petite ceinture comme ça, je trouve ça assez mignon. Et le sac, c'est un sac que ma mère avait eu en vacances quand elle était petite, donc je l'ai ressorti et je trouve assez sympa. Voilà, je trouve qu'il va assez bien avec la tenue. La troisième tenue, c'est une tenue un peu soirée entre guillemets, donc voilà, avec une robe et une fermeture dans le dos couleur dorée. Le petit sac qui va bien, qui va avec, donc voilà, avec un collier hibou. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc c'est un petit collier, il me semble que je l'ai eu chez Mango, il me semble, je suis pas du tout sûre. La bague, bah chez Neus, comme d'hab, hein, toujours des petits bijoux très sympas. Le sac, je l'avais quand j'étais petite, hein, un exceptionnel, je trouve assez sympa pour ce genre de tenue. Donc voilà, avec des chaussures, je vous mets le nom juste là parce que je sais plus du tout d'où ils viennent, mais c'était ma mère, je trouve, qui allait avec cette tenue. Voilà, pour la quatrième tenue, donc c'est une tenue un peu genre plage, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est un haut que j'ai fait moi-même. Donc c'était un grand t-shirt en fait de mon père que j'ai customisé. Donc comme vous le voyez, j'ai mis une bande verte pour cacher en fait la marque. J'ai mis des petits trucs sur le côté, sur les manches, je trouvais ça rigolo, avec des petites perles au bout. Et le short vient de chez Pinky, il me semble. Voilà, avec des tongs. Hein. C'est juste histoire de faire plage. Ensuite, c'est une tenue, bah, on voit pas très bien à cause du soleil, mais on va voir plus tard. Et donc, c'est la tenue numéro 5, donc j'ai un haut de chez Repetto, c'était ma soeur qui m'avait offert, avec un bas de chez Zara, je trouve assez sympa, donc c'est un short taille haute. J'ai des chaussures de chez Bata, donc c'est des petites sandalettes couleur argent qui rappellent l'écriture de mon haut Repetto. Donc voilà, je trouve cette tenue assez sympa. Ensuite, pour la tenue 6, j'ai un haut que j'ai fait moi-même, c'était un t-shirt énorme, pareil, donc j'ai fait une petite moustache en peinture dessus, donc je vous expliquerai peut-être comment faire. J'ai mis un haut dessous pour éviter qu'on voie, donc je l'ai plié, voilà, ça fait un petit truc sympa. Donc voilà, le bas, c'est un short de chez Teddy Smith, les petites poches qui sortent, je trouve ça assez sympa aussi. Et j'ai des Converse bleues, voilà, qui va très bien avec la tenue, et je l'aime beaucoup, ça fait assez cool, et voilà. Ensuite, pour la tenue 7, donc c'est la dernière malheureusement, déjà, et oui. Et donc j'ai un haut, donc c'est un petit débardeur de chez Petit Bateau avec un bas, donc c'est zébré, j'adore franchement. Et donc c'est un bas que ma mère m'a acheté, donc ce jean, je ne sais pas du tout d'où il vient. Un sac, donc il vient du marché, donc c'était à ma soeur, je trouve assez sympa, il va bien avec la tenue. J'ai des chaussures Bata, donc c'était les mêmes que l'autre tenue, donc voilà, couleur argent, je trouve ça assez sympa. Voilà, maintenant un petit zoom sur le maquillage que j'ai fait, donc voilà, c'est un maquillage assez banal, un trait d'eyeliner tout simple avec un rouge à lèvres rose que j'adore, franchement, je trouve ça trop joli. Donc voilà, la vidéo est terminée. Salut, je vous fais plein de bisous. Je vous mets la liste des tenues en barre d'infos avec tous les noms et tout. Voici la musique que j'ai utilisée dans cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Bisous, je vous aime fort.